Donc il saute deux fois et demi sa taille. Ouais, il sauterait de 192. Il saute trop, non? Ouais. Oh non. Ouais, c'est vrai qu'il saute beaucoup. Ouais, mais ça dépend ce qu'il a esquivé. C'est à voir avec les patterns qu'on mettra, s'ils sont vraiment dans tous les sens. Non, mais il saute quoi, déjà 120. Ça fait le problème, c'est que si tu vas passer sous une plateforme, non, en fait, c'est même pas assez, tu vois. Parce que pour qu'il passe sous une plateforme, il faut que la plateforme. Tu vois rien. Attends, t'as le perso là. Si il doit passer sous une plateforme, il faut que la plateforme elle soit là, tu vois. Donc pour qu'il puisse monter dessus, il faut au moins qu'il saute, tu vois, au moins là, quoi. Donc au moins une fois, une là, fois. Là, on est presque à deux fois sa taille. Hein. Là, on est à deux fois sa taille. Hein. Ça c'est une fois, et ça c'est une fois et demie. Une fois et demie, c'est bien. Une fois et demie, une fois et demie, ça semble vachement bien. Deux fois et demie, c'est trop. Non, deux fois et demie, ça fait la moitié des cours. Donc il saute une virgule cinq fois sa taille. Quelle amplitude? Et en longueur, j'aurais dit 4 cases. Mais c'est peut-être trop long. C'est peut-être trop long. Ouais, mais après, ça dépend, est-ce qu'on le fait en courir vite? Je dirais que le saut dure une demi-seconde. Okay, genre. Donc s'il dure une demi-seconde, ça veut dire qu'on peut se déplacer de... Si on se déplace de 4 cases par seconde... On peut parler en cases. En cases de 64 par 64. 3 cases, moi j'aime bien. 3 cases toutes les demi-secondes. Ça permet de sauter des patterns de 2-4. Vu qu'on saute de 3. Donc 3 cases, ça fait 192 aussi. Donc ça va être une belle parabole.